façon générale, je te dirais ce qu'on a vécu, nous, pour ne pas avoir de conseiller pédagogique à l'éducation des adultes, il y en a très peu. Quand on s'est retrouvés en 2003 à écrire les programmes d'études en formation de base commune, nous étions tout le monde des enseignants. Et personne, ou presque peu, en tout cas très peu de commissions scolaires, avaient des conseillers pédagogiques. On se disait, bien voyons donc, aux jeunes, il y en a autant au primaire qu'au secondaire. Et c'est un petit peu paradoxal parce que l'éducation des adultes, on rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes. Puis il n'y en avait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en avait pas. Ça a beaucoup changé lorsque les programmes... Quand on est retourné dans nos commissions scolaires, je dirais que la moitié des enseignants avec qui que j'ai travaillé au ministère, nous sommes devenus conseillers pédagogiques pour la formation de base commune. Comme on avait l'expertise, bon, ben c'était normal qu'ils nous demandent de former les profs, mais je ne sais vraiment pas s'il n'y avait pas eu ça, si... Le ministère a investi aussi pour l'embauche de conseillers pédagogiques parce que les profs, à un moment donné, on a beaucoup, beaucoup de réunions dans une année. Puis ça, je pense que je dis que c'était comme ça en grandeur de la province, là. C'est pas juste chez nous. On a des réunions, je dirais, organisationnelles. Mais des réunions de pédagogie en tant que prof, là, j'en ai très peu vécu. C'est comme si la pédagogie, ça va de soi, mais je pense que non, ça va pas de soi. On a besoin de se renouveler, de voir des nouvelles pratiques et tout ça. Et comme souvent, on est cantonné dans notre commission scolaire, on sait pas ce qui se passe ailleurs, là. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Ce qui me vient comme ça spontanément, il y a des commissions scolaires qui ont énormément développé de matériel et du très bon matériel. Mais derrière ça, il y a eu les directions de centres qui ont libéré les profs, qui un peu obligé à implanter, mais ça fait une cohésion d'équipe et ils ont développé vraiment du beau matériel. Mais je ne sais pas combien de commissions scolaires on est au Québec, là, une centaine, là, mais il y a près de la moitié qui ont implanté à différents niveaux. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien, puis il y en a d'autres ça fonctionne moins bien. Les petites commissions scolaires, je te dirais, ont peut-être des avantages sur les grosses commissions scolaires, comme à Montréal. Nous, il y a plus de changements de personnel à chaque année. C'est comme toujours à recommencer. Si tu es en région, ben, tu n'iras pas dans un autre centre. De toute façon, il y en a juste un ou deux. Fait que, mais ici, ça bouge beaucoup. On dirait que depuis les trois dernières années, on recommence la formation, on recommence la formation, on recommence la formation. Nous, on a un centre qui implante depuis le début et ça va de mieux en mieux. Et même quand on entend parler les profs, elles sont contentes parce qu'ils ont du matériel, elles sont prêtes. En tout cas, c'est beaucoup plus sécurisant de travailler pour le renouveau quand tu as tout ce que tu as besoin. Ouais. Salut les filles! Ben oui! Excusez, salut!